Bon, qui est tombé pour croire. Non, où est-ce que c'est? C'est top. Толстая шкура. Меняем тонкую шкуру на толстую. Погирай, погирай. Нам нужен квалифицированный игрок на кроталах. Пожалуйста. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tava kunja bihari Jaya Madhava kunja bihari Jaya Madhava kunja bihari Gopi jana vala tha girivara tha ji Jaya Gopi jana vala tha girivara tha ji Jaya Gopi jana vala tha girivara tha ji
Yasoda Nandana Vraja Jana Randana Yasoda Nandana Vraja Jana Randana Jamuna Tira Vraja Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Irani Gopi Jana Valapha Girivara Thavi Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Ratha Madhava Kunja Vihari Jaya Ratha Madhava Kunja Vihari Jai Jai Shri Shri Ratha Pare Shri Swaraki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Nath Shri Padre Devi Jai Shri Jagannath Padita Pavanaki Jai Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Shri Nitai Sanchi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shri Vasati Gaur Bhakta Vrindi Ki Jai Jai Shri Taram Lakshman Hanuman Bharata Shatrudna Yudhyama Ki Jai Shri Shri Ratha Govinda Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Grushai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Pralad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Shri Gurudev Ki Jai Tud Glor Devadasam Om Ajnanaji Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tamsa Jivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते ताप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदवमेश्वरी वृषाभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पातितानां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम नाम एव केवलं कलयुगस्तेव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यतः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, quatrième chant, 30e chapitre à partir de verset 28. Etavatvam hi vibhubhir bhavyam dineshu vatsalai yad anusmarya te kale svabhutya bhadraratanam. La traduction. Qui fait la traduction? Cher Seigneur, c'est donc le 430. 28. 28, ok. Traduction. Ô Seigneur, toi qui anéantis l'infortune en te manifestant en tant que Ralcha Vigraha, tu fais preuve de compassion envers tes pauvres dévots. Puisses-tu voir en nous tes serviteurs éternels. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Shrila Prabhupada. La femme du Seigneur qu'est Ralcha Vigraha est une manifestation de ses pouvoirs illimités. Lorsque, dans le cours du temps, le Seigneur est satisfait du service d'un bhakta, il le compte désormais parmi ses nombreux serviteurs fidèles. Par nature, le Seigneur fait preuve d'une grande compassion. C'est pourquoi il accepte le service des bhakta néophytes. La Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 26, explique « Param pushpam faram toyam yome bhaktya pratyachati tadaham bhakti aparitam ashnami prayatatmanaha. Que l'on m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur et un fruit et de l'eau, j'accepterai cette offrande. Le bhakta fait offrande d'aliments à la murti sous forme de légumes, de fruits, de feuilles ou d'eau. Et le Seigneur, qui est infiniment miséricordieux envers ses dévots, Bhaktavatsala, accepte ses offrandes. Les athées diront que les Bhaktas se livrent à l'idolâtrie, mais la vérité est tout autre. C'est le Bhakta, l'attitude de service que recherche Janardana, le Seigneur suprême. Le néophyte qui se voue à l'adoration du Seigneur
ne se rend peut-être pas compte de l'importance de cet acte, mais le Seigneur suprême, en tant que Bhakta Vatsala, reconnaît ce Bhakta et en temps opportun le ramène en sa demeure originelle auprès de lui. Je continue. Non, le verset suivant. Le verset suivant, ok. Verset 29, traduction. Quand le Seigneur, de par sa compassion naturelle, pense à son dévot, cela suffit pour que tous les désirs du néophyte soient exaucés. Le Seigneur se tient dans le cœur de tous les êtres vivants, même les plus insignifiants, et il sait tout de chacun, y compris ses moindres désirs. Pourquoi ne connaîtrait-il pas nos désirs, même si nous sommes insignifiants ? Merci. Le verset suivant aussi ? Okay. Merci. Les Prachet, il s'adresse à Krishna sous le nom Abhadra Ratana, qui signifie celui qui anéantit toutes les misères, tous les problèmes. Et Prabhupada, dans sa traduction, il dit que c'est seulement le Seigneur suprême qui est capable d'anéantir nos problèmes et nos misères. Dans Srimad Bhagavatam, il y a plusieurs histoires qui expliquent en fait cette qualité de Krishna. Et Srimad Bhagavatam ainsi explique comment Seigneur suprême est le seul qui peut faire disparaître nos soucis et nos problèmes. Malheureusement, en se trouvant sous une couche d'ignorance, comme c'était expliqué dans le verset précédent, nous pensons que, en fait, tout dépend de nous, tout dépend de circonstances, tout dépend de ceci ou de cela. Mais nous oublions que, en réalité, Seigneur suprême se trouve au-delà de tout, de tous les problèmes, de toutes les influences, de l'énergie matérielle, etc. Donc, cela veut dire qu'il est le seul qui peut nous aider. Nous pouvons dire, mais non, par exemple, j'étais souffrant, et le médecin est venu, il m'a retiré la souffrance. Et si nous pensons comme ça, de cette façon, nous pouvons penser que, en fait, la souffrance enlevée par le médecin ne reviendra plus jamais. Mais nous savons que ça va revenir encore et encore, encore et encore. Donc, ainsi que le médecin lui-même, il a besoin d'une protection. Le médecin lui-même, il a besoin de quelqu'un qui peut enlever ses propres soucis. Est-ce que tout ce que nous cherchons comme protection, c'est un peu naïf et dans l'ignorance? Pourquoi? Parce que, en fait, pour nous, la protection du Seigneur prend toujours la forme de protéger notre corps. Et là, par exemple, quand il y a les fêtes de Noël, etc., et les gens souhaitent l'un à l'autre, ils passent ses vœux, ils disent « Je te souhaite ceci, ceci, cela, etc. » Et surtout, surtout la santé. Et nous savons qu'en fait, la santé... Nous savons que la santé, ça concerne notre corps grossier et la santé concerne notre corps grossier et en effet, ça ne concerne pas. Merci. Ça ne concerne pas notre identité. Ça veut dire nous souhaitons quelqu'un que son corps soit protégé, mais pas lui-même. C'est ça la différence. Mais quand un dévot
souhaite à quelqu'un d'autre quelque chose, la première chose qu'il souhaite, que cette personne ait la possibilité de servir Krishna et servir les dévots. Parce que quand Krishna enlève les problèmes de quelqu'un, en fait, il enlève aussi les conséquences de ces problèmes. Nous, on n'arrive pas à faire ça. Par exemple, quand Krishna tue un démon, hein, par exemple, imaginez que je suis un démon et j'ai fait infiniment de bêtises, de méchancetés, etc., crimes, etc. Et puis, Krishna arrive, il me tue et il me offre une libération. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que pas seulement il me libère de ce corps, parce qu'en fait, tous les problèmes étaient liés à ce corps, donc il m'élimine ce corps, mais aussi il enlève tout ce que je dois aux autres. Hein, parce que en me tuant, il m'envoie l'accueil dans son corps. Hein, je deviens en fait hébergé, hein, je suis hébergé dans son corps, et automatiquement tout ce que je dois à tous les autres, selon mon karma, c'est annulé. Mais par exemple, si je tue par exemple quelqu'un, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste éliminer son corps, mais tous ces problèmes sous la forme de karma, ils vont revenir. Vous voyez la différence? Donc c'est pour ça que les Pratchett disent qu'en fait, la seule personne qui peut véritablement enlever nos problèmes, nos soucis, nos misères, c'est toi, Seigneur Suprême. Parce que personne d'autre ne peut... il y a même des fois les personnages de Srimad Bhagavatam qui font des sacrifices du feu pour corriger quelque chose, pour obtenir quelque chose, etc. Mais nous voyons souvent comment ça finit. D'habitude, ça finit mal. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous avons réglé le problème. Mais nous sommes ignorants. Nous ne connaissons pas le passé, le présent et le futur. Pour cette raison, nous ne pouvons pas savoir si je fais ce sacrifice, est-ce que c'est suffisant? Par exemple, quelqu'un a ces problèmes, je dis OK, on va faire un sacrifice, donc, et comme ça, on va te libérer de tes problèmes. Mais est-ce que je connais la grandeur ou la taille de ces problèmes? Parce que c'est juste quelques problèmes qui sont apparus aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y en a plus d'autres problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui vont survenir demain, après-demain? Donc, ma taille de sacrifice peut-être va couvrir un de millionième de ce qu'il a fait. Vous voyez? Donc, notre façon de régler les problèmes n'est pas correcte et très imparfaite. Et les 10 Pratchett, 10 frères, ils ont compris qu'en fait, seule personne qui peut définitivement nous libérer de nos péchés et de nos problèmes, c'est le Seigneur Suprême. Malheureusement, aujourd'hui, même les dévots ne se rendent pas compte de ça. Ils pensent que les psychologues et les astrologues, ils vont résoudre nos problèmes à la place de s'orienter vers le service dévotionnel qui est une panacée, une solution pour tous les cas et pour toutes les choses. Nous ne comprenons pas. Nous pensons que quelqu'un peut venir sans intervention de Krishna, sans intervention, sans participation de service dévotionnel, va sauver la situation. Sachez que même
si je vais chez un médecin, je suis malade, il m'a guéri, mais ni moi, je ne suis pas conscient que c'est le Seigneur qui a fait, ni lui, le médecin, n'est pas conscient que c'est son intervention est dirigée par le Seigneur suprême. Donc cette affaire ne va pas apporter grand-chose. Pourquoi? Parce que je n'étais pas conscient qu'en fait, je suis guéri par Krishna et pas par cette personne. Quand je reçois quelque chose, je ne sais pas, quelque chose de bien pour moi, je pense que ça, c'est le Seigneur suprême qui a fait pour moi. Quand je reçois quelque chose, entre guillemets, mauvaise, ça me fait souffrir. Pareil, je pense que c'est le Seigneur suprême qui m'a envoyé. Donc, dans deux cas, je suis en bénéfice. Pourquoi? Parce que les deux cas, c'est le cadeau de Krishna. Et le cadeau de Krishna est toujours parfait. Krishna ne fait pas des cadeaux imparfaits ou qui sont à moitié bons, à moitié mauvais. Non. Hein? Oui. Même que, si Krishna donne cadeau empoisonné, si c'est lui qui donne, donc tout va bien. Mais pour cela, il faut être conscient de Krishna. Parce que si nous ne sommes pas conscients de Krishna, nous ne pouvons pas prendre le bénéfice de cette miséricorde. Et cela sera classé dans la catégorie de réaction karmique. Vous voyez ? Ça va être classé dans la catégorie de karma. Tandis que si un dévot est conscient que tout cela, c'est la miséricorde de Krishna, tout est sous le contrôle de Krishna, il peut bénéficier en fait de cette miséricorde. Ils disent dans le verset 28, ils disent que tu es très miséricordieux pour tes dévots. Même pour les dévots misérables devant lesquels tu prends la forme de Archa Vigraha. Donc, Archa Vigraha, c'est la forme d'adoration. Parce que Murti, en fait, quelle est la différence entre Murti et Archa Vigraha? C'est la même chose. Murti veut dire ce qui a pris la forme. Archa Vigraha veut dire aussi la forme d'adoration. Le mot Murti vraiment signifie ce qui a pris la forme. Vigre. N'importe quoi. Et Vigraha veut dire ce qui est matérialisé. Ça veut dire qui est matérialisé, qui est la possibilité d'être capté ou perçu par les sens. Et archa veut dire ce qui est d'adoration. Oui. Donc, archa vigraha, c'est une forme d'adoration que nous avons ici. Jagannath Baladev Supadra, Jagannath Swami, Ratha Parishishvar, Nitai Sachisut, Saraswati Devi. Ils sont tous des formes, Archa Vigraha, c'est des formes d'adoration. Et en effet, Krishna, par les efforts d'un dévot qui veut voir Krishna, qui veut avoir une relation avec Krishna, qui veut avoir
un contact avec Krishna, avec ses efforts, avec sa patience, avec sa persévérance, fait venir Krishna, fait rentrer dans cette forme. En fait, des fois, nous ne comprenons pas en fait cette idée, comment Krishna peut se manifester à travers la bronze ou bois ou le pierre. Par exemple, quand vous m'appelez, vous parlez de mon téléphone, je mets sur haut-parleur et tout le monde entend votre voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous manifestez à travers cet appareil. Cet appareil devient un objet à travers lequel vous manifestez. Après, j'allume la vidéo et on voit dedans comment je suis. Est-ce que j'ai des cheveux coupés ou pas? Est-ce que je suis en train de manger une glace ou pas? Donc, tout de suite, vous êtes en lien direct avec moi. Mais à travers quoi? À travers les pixels, à travers ce plastique, etc., etc. Pareil, Murti, en fait, cette forme de bois ou de métal, en fait, Krishna utilise pour se manifester à travers ces choses-là. Mais nous pouvons voir et ne pas voir. On peut voir et ne pas voir. Quand Krishna est manifesté, nous pouvons voir. Et comment ça se passe? C'est que le dévot ait certains signes de présence de Krishna. Ce n'est pas que Krishna, tout de suite, nous dit quelque chose ou il nous demande quelque chose tout de suite. Ça peut se faire, mais dans les règles générales, Krishna juste montre sa présence, son contentement, son mécontentement. Et le dévot, qui est vraiment sérieux dans son sadhana bhakti, peut ressentir en fait la présence de Krishna dans ses murtis. Et les prachets disent que en fait, tu prends ces formes d'archa vigraha par les sentiments de compassion. Pourquoi? Parce que Krishna n'a pas besoin de se manifester à travers un murti. Pourquoi il doit le faire? Pour quelle raison il doit se manifester dans un murti? Pourquoi? Et les prachets disent qu'en fait, c'est parce que seule raison pour laquelle tu te manifestes dans les murtis, dans Archa Vigraha, c'est en fait ton sentiment de compassion. En fait, le sentiment de compassion, c'est un sentiment très rare. Souvent, les dévots, et pas seulement les dévots, la plupart des gens confondent le sentiment de compassion avec le sentiment de pitié. C'est pas la même chose. Le sentiment de compassion, c'est quelque chose plus fort, plus élevé et plus subtil. Parce que chaque personne ne peut pas avoir les sentiments de compassion. Et les Shastras disent que seule personne qui est capable d'avoir les sentiments de compassion, c'est Krishna et c'est pur dévot. Parce que si vous prenez le mot compassion, c'est et on essaie de l'analyser, ce mot compassion, il est composé de deux mots, com et passion. Com veut dire ensemble,
comme c'est ensemble, le latin. Communiquer ensemble, être ensemble. Et passion, c'est un mot qui a beaucoup changé aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens interprètent le mot passion seulement comme quelque chose, comme une fort désir, la passion. Mais originellement, le mot passion signifiait aussi la souffrance. Passion, passion. Le mot passion signifiait à l'époque aussi une souffrance. Et en fait, si vous traduisez la compassion, ça veut dire souffrir avec cette personne. Ou autrement dit, être compassionné, ça veut dire souffrir avec quelqu'un, souffrir comme lui. Hein, par exemple, les chrétiens, les premiers chrétiens, ils avaient ce sentiment de compassion très fort. Et souvent, dans ses méditations, dans ses prières, il retrouvait en fait les passions du Christ. Vous avez déjà entendu ça plusieurs fois, hein, les passions de Christ. Par exemple, dans la peinture, souvent, on montre les passions de Christ sous la forme de comment ça s'appelle ? La couronne d'épines, le fouet avec lequel on fouettait Jésus, la colonne sur laquelle Jésus était attaché, les clous avec lesquels il était cloué sur la croix. La croix même aussi, c'est dans la passion de Christ. Même l'éponge avec du vinaigre et la lance avec laquelle on a percé le côté gauche de Jésus, droite. Ouais. C'est aussi dans des catégories de passion de Jésus. Ça veut dire les choses qui ont lui fait souffrir ou la souffrance à travers ces objets. Et le sentiment de compassion était tellement fort que chez certaines, ça manifestait les stigmates. Hein? Par exemple, ils étaient tellement forts dans cette compassion que quand Jésus était cloué, il imaginait comment chaque frappe de marteau et de clou, ça faisait souffrir Jésus. Et c'était tellement fort ressenti que ça se manifestait sur le corps grossier. Il y avait des plaies qui s'ouvraient et le sang coulait. Donc, nous qui connaissons les sattvika bhava, nous pouvons constater que ce mécanisme est correct. Il n'y a pas de trucs inventés, c'est quelque chose de tout à fait réel. Comme par exemple, nous parlons de Vaivarnya Sattvika Bhava, le changement de couleur de corps. Qu'on voit chez Krishna, on voit chez Sri Chaitanya Mahaprabhu, on voit chez Mary Yashoda, chez Uttava, etc. etc. Donc, en fait, c'est le Bhava. C'est le Bhava qui fait tous ces changements. Et en effet, la compassion nous fait aussi pas seulement ressentir quelque chose sur nous, mais aussi le sentiment de compassion nous fait changer quelque chose chez les autres. Hein, par exemple, je vois que quelqu'un meurt de faim et par le sentiment de compassion, je lui apporte à manger. Ça peut être fait par le même geste que nous pouvons faire par le sentiment de pitié, mais ce n'est pas la même chose. Celui qui a pitié, il ne souffre pas. Même souvent, celui qui a le sentiment de pitié et il aide à quelqu'un, tout de suite il dit « Ouais, comment je suis merveilleux, comment je suis généreux, extraordinaire,
je lui ai apporté quelque chose. Le sentiment de compassion, en fait, prive ou enlève ce type de sentiment de ce brahma. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va se transformer en pitié et pas en compassion. Par exemple, si quelqu'un est infamé, par exemple, et par le sentiment de compassion, on lui a nourri, okay, nous ne pensons pas que c'est nous qui en nourrit. Nous pensons que moi, je suis nourri avec cette personne. Parce qu'entre lui et moi, il n'y a pas de différence. C'est ça la compassion. Voyez, les vrais dévots ont cette qualité. Les dévots réalisés, ils ont cette qualité. Par exemple, quand un des dévots bénéficie une miséricorde de gourou, par exemple, le gourou lui a offert son chapeau. Et le dévot qui est compassionné, il est très très content. Il est très content parce que lui, il a reçu ce cadeau. Parce que la compassion, ce n'est pas seulement dans le sens de souffrance. Vous comprenez ? Le sentiment de compassion, c'est aussi les sentiments partagés dans la joie aussi. Mais sans envie. Vous voyez ? Okay. Ça aussi, c'est une forme de compassion. Mais c'est difficile à accepter, mais c'est comme ça. Donc, ça veut dire, si Guru a donné son chapeau à lui, donc c'est égal comme s'il m'a donné à moi. Pourquoi ? Parce que je suis tellement content pour lui, pour cette personne. En fait, la compassion, c'est quelque chose de rare. Et quand on analyse, nous voyons qu'en fait, c'est rare quand on a vu des vrais sentiments de compassion dans notre vie. Moi, je prends moi-même en personne. Si je jette un regard dans mon passé, souvent, ce que j'ai vu, c'était plutôt les sentiments de pitié que de la compassion. C'était les sentiments d'encouragement que de compassion. Mais vraiment, la nature d'un dévot peut manifester cette compassion. Les Prachet, ils disent qu'en fait, par ce sentiment de compassion, tu as pris les formes d'Archa Vigraha pour donner une possibilité, tu donnes cette possibilité pour qu'on puisse te servir. Et tous les 10 frères, ils se considèrent comme des misérables et non fortunés et disent que tu as vu que nous sommes aussi misérables et non fortunés et tu as, c'est le sentiment de compassion qui t'a fait venir ici et comme un murti rester devant nous. Parce que sinon, ils disent, nous ne trouvons pas une autre raison. Pourquoi tu devais venir ? On n'a rien fait, on n'a pas t'obligé de venir. Tu es venu par le sentiment de compassion. Et aussi, il y a une petite note importante. Pourquoi tu n'es pas venu 1000 ans après, 2000 ans après ? Pourquoi tu es venu 10 000 ans après ? En fait, il y a aussi une petite nuance. Parce que tu as vu que nous sommes infortunés, on a fait des austérités 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, etc. Mais tu as compris que même si on nous continue 200 000 ans, une éternité, sans ta miséricorde, sans ta compassion, nous ne pouvons jamais réussir. Et parce que Seigneur Suprême a demandé, il a dit que vous pouvez me demander une faveur, demander ce que vous voulez, je vais faire. Et ils ont demandé, s'il te plaît,
compte-nous parmi tes éternels serviteurs. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous devons découvrir, parce que nous pensons qu'il suffit que je dise « Je suis l'éternel serviteur de Krishna ». Ce n'est pas suffisant. Mes paroles ne sont pas suffisantes. Il faut que Krishna me compte parmi ses dévots. Vous voyez ? Nuance. En fait, le rasa, ici il parle de rasa. En fait, le rasa établit seulement quand Krishna réciproque à nos sentiments, quand il répond à notre sentiment d'une façon adéquate. Par exemple, nous, on a un sentiment paternel envers Krishna, donc il faut que Krishna nous réponde comme notre fils. S'il nous répond comme ami, donc ce ne sera pas Vatsadarasa. La Vatsadarasa ne va pas s'établir. Voyez la nuance. Donc Krishna doit, de son côté, doit confirmer par les sentiments réciproques. Ça veut dire, tant qu'il ne compte pas, donc, notre parole ne joue pas. Hein. Par exemple, les femmes des brahmanas, hein, l'histoire dans le dixième chant de Srimad Bhagavatam, les femmes de brahmana à qui les amis de Krishna ont allé chercher le prasad, vous vous souvenez de cette histoire, et dès qu'elles sont entendues que Krishna et Balaram sont enfamés, et elles sont sorties tout de suite, ils ont pris tout ce qu'ils ont cuisiné pour toute la famille. Tout le monde est resté sans prasad, mais ils ont tout pris, ils ont emmené dans la forêt pour que Krishna et Balaram et ses amis ont mangé. Et puis, quand Krishna a dit « Ok, c'est bon, donc vous pouvez partir, nous sommes satisfaits », ces femmes de Brahmana étaient très étonnées que Krishna les renvoie. Et elles ont dit que « Mais non, nous sommes venus ici pour rester éternellement, comme tes servantes et comme tes femmes, un peu, comme ça, tes épouses ». Et Krishna n'a pas répondu à ses sentiments de cette façon. Et c'est là où Krishna, en fait, dit un verset et qui se répète dans Srimad Bhagavatam deux fois. Les autres versets ne se répètent pas. Je ne sais pas combien de milliers de versets nous avons dans Srimad Bhagavatam, mais ce verset se répète deux fois. Une fois, Krishna dit ses paroles aux femmes des Brahmanas, et deuxième fois, il dit aux gopis le même verset. Il dit que l'amour envers moi ne grandit pas quand quelqu'un reste à côté de moi, mais quand il sert mes dévots, quand il chante mon nom, quand il me sert et il m'adore. C'est le même verset qu'il répète dans Srimad Bhagavatam deux fois. Et en fait, il a dit non, vous devez retourner chez vous. Ça veut dire qu'il n'a pas répondu et nous ne pouvons pas constater ça comme une relation conjugale. Parce que Krishna n'a pas répondu comme un mari, comme un époux. Vous voyez ? Donc, pour ça, les dix frères Prachet, ils disent, s'il te plaît, compte-nous parmi tes serviteurs. Parce que tant que tu ne nous comptes pas, même si on pense que nous sommes tes serviteurs, on ne sera jamais tes serviteurs. La même chose s'est passée avec Maharaj Prataparudra, quand dans ce fameux épisode où après le Ratha Yatra, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu s'est reposé dans un petit square, et Maharaj Prataparudra, sous les conseils de Swarup Dargoswami,
Sarvapama Bhattacharya Ramanandarai, il a changé son habit de roi, il a mis des habits d'un simple grihastha et il a commencé à masser les pieds de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En fait, je ne vais pas tout raconter, vous connaissez l'histoire. Et après, quand Maharaj Prataparudra a commencé à réclamer, non, pas, déclamer ce verset de Srimad Bhagavatam, le nectar de tes paroles et de tes divertissements, quand dès qu'il a dit ce verset, tout de suite, Sri Chaitanya Mahaprabhu s'est sauté, il l'a pris dans ses bras, il l'a serré, il a commencé à pleurer. Et il a dit, c'est toi le plus généreux, c'est toi. Et il dit, je ne peux te rien donner, a dit Sri Chaitanya Mahaprabhu, contre tout ce que tu m'as fait, je ne peux rien donner, je suis un sannyas, je ne possède rien. Et Maharaj Prataparudra a dit, non, je veux rien, la seule chose que je veux, que tu me comptes parmi les serviteurs de tes serviteurs. C'est extraordinaire. Hein? Donc, encore une fois, cela prouve que, en fait, juste tout ce que nous comptons et tout ce que nous pensons, sans confirmation de la part de Krishna, c'est juste notre idée et notre imagination. Hein. Je connais les dévots qui sont convaincus qu'ils ont déjà leur rasa, ils sont convaincus qu'ils sont déjà, je ne sais pas, gopis, etc., etc. Mais c'est juste parce qu'ils sont très encore loin de rasa tattva, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est rasa tattva. Donc dans le verset suivant, les prachets disent que quand le Seigneur, avec la compassion, il pense à son dévot, tous les désirs de ses dévots sont exaucés. Incroyable de penser que Krishna aussi pense à ses dévots. Nous sommes toujours pensés que, mais en fait, nous pensons toujours que Krishna fait ce qu'il veut et il s'en fiche de nous, ce que nous pensons, ce que nous voudrions, etc. Mais c'est faux parce que Krishna aussi il pense à ses dévots. Pourquoi? Parce que la relation entre Krishna et chaque être vivant de la part de Krishna est constamment allumée, visible et active. Tandis que de côté d'un être vivant, ça peut être différent. Ça veut dire que nous pouvons oublier Krishna, nous pouvons penser que Krishna n'existe pas, etc., etc. Donc, et un jour on découvre ça, un jour on commence à croire que Dieu existe, etc., etc. Vous voyez? Mais de la part de Krishna, c'est un processus qui ne s'arrête pas. C'est difficile à imaginer. Par exemple, quand Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit « Pense toujours à moi », n'est-ce pas? Il dit à Arjuna, pense toujours à moi. C'est parce que lui, il pense toujours à nous. Et les prachets, il dit que tu es dans le cœur de chaque être vivant, même dans le cœur d'un être vivant misérable comme un microbe ou un ver de terre, etc. etc. Et tu sais tout sur cette personne. Et après, ils disent que même, et après les prachets disent, même si nous sommes tellement misérables, insignifiants,
Mais pourquoi tu dois oublier ce que nous désirons? Tu te souviens toujours de ça. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, que, à quel point les prachettes sont humbles, hein? À quel point ils sont humbles et ils se prennent pour des gens misérables, infortunés, et disent, mais même comme ça, même si nous sommes dans cet état-là, même si nous ne sommes pas vraiment des gens extraordinaires, mais tu es quand même venu et tu connais tout sur nous. Et si tu connais tout sur nous et tu penses à nous, automatiquement, tous nos désirs vont être exaucés. Srila Prabhupada, il explique un peu dans ses commentaires, il dit que le dévot un véritable dévot, il a toujours un sentiment qu'il ne progresse pas dans la conscience Krishna. C'est vraiment un truc extraordinaire. Et pour penser à cette façon-là, il ne fait aucun effort. C'est pas comme ça, il dit. Oui, je sens que je suis très réalisé, mais arrête, il faut être humble. Il ne faut pas être... Non, c'est qu'il n'a pas ce sentiment, vraiment. Ce sentiment n'est jamais manifesté. Ce sentiment n'est jamais manifesté comme quoi qu'il est réalisé, comme quoi qu'il est élevé ou super dévot, etc. Il voit toujours en fait que il n'a pas d'amour vers Krishna, il n'a pas d'attraction envers Krishna, il a plein de défauts, etc. Mais ce sont des choses naturelles que Krishna arrange. Vous voyez? C'est aussi une miséricorde de Krishna. Nous ne pouvons pas imiter cela. Krishna, c'est un cadeau de Krishna. Krishna nous offre en fait ce cadeau, en fait, ce bhava, il nous offre qui s'installe dans notre intellect et il nous montre toujours que nous ne sommes pas parfaits. Mais cette idée que nous ne sommes pas parfaits ne nous enlève pas notre enthousiasme. Vous voyez les nuances? En fait, comme ça, nous voyons que des grands dévots qui voyaient qu'ils sont nuls, etc., etc., mais leurs enthousiasmes ne baissaient pas. Vous comprenez? Ça, c'est extraordinaire. Ils ne disaient pas « Je suis nul, je ne peux rien faire. » je suis bon à rien, etc. Non, ils savaient qu'ils sont comme ça, mais ils continuaient avec, même des fois, leur enthousiasme doublait encore. Ils pleuraient, mais ils continuaient. Ils pleuraient, ils continuaient. Ils voyaient qu'ils n'arrivent pas, mais ils disaient, mais je vais continuer. Comme l'histoire avec le brahmana, jeune brahmana, qui ne connaissait pas, qui ne savait pas lire, mais qui regardait chaque jour la Bhagavad Gita. Chaitanya Mahaprabhu a dit que tu es un expert de Bhagavad Gita. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il faisait en fait, il savait qu'il ne sait pas lire. Ça veut dire qu'il n'est pas été capable de lire, mais il essayait de lire quand même. Et il n'arrêtait pas de le faire chaque jour. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ça, c'est un cadeau de Krishna, en fait. C'est un cadeau spécial de Krishna. Ce sentiment, en fait, remplit notre intellect. Ne pensez pas que notre intellect enregistre seulement des choses narratives, hein? Narratives et factuelles. Par exemple, sur la table, il y avait un verre d'eau. Et c'est...
enregistré dans notre intellect. L'intellect aussi enregistre les sentiments. Et Krishna peut nous offrir aussi certains bhavas. Il peut introduire, comme Krishna dit, de l'intérieur, je donne à mon dévot une connaissance à travers laquelle il peut venir à moi. Donc, il peut donner, en fait, introduire cette connaissance dans l'intellect d'un dévot. Et des fois, vous découvrez que vous savez jouer le mridang, mais vous n'avez jamais appris. Vous prenez le mridang et commencez à jouer, vous dites, mais qui m'a appris? J'ai jamais appris à jouer, mais Krishna m'a offert. Ou tu commences à faire un sabji, mais tu n'as jamais appris un sabji. Ou tu as inventé, entre guillemets, un sabji. Qu'est-ce que ça veut dire, inventer un sabji? C'est que Krishna a introduit la recette de ce sabji, et avec cette recette de sabji, il a introduit aussi l'enthousiasme pour le cuisiner. En fait, il peut introduire le bhava aussi. C'est ce qui se passe, en fait, quand un dévot, d'une façon persévérante, il continue, en fait, son sadhana bhakti, il continue constamment son sadhana bhakti, Krishna commence par des petites doses, il donne le bhava. Il commence à donner les bhavas. Comme un enfant qui commence à grandir, hein, quand il est tout petit, la mère l'allaite. Okay? Mais au fur et à mesure, quand l'enfant commence à grandir, sa mère donne des petits morceaux de je sais pas, pommes de terre, après des fruits râpés, des petites, il commence à introduire des choses. Après, quand il y a des petits dents qui commencent à apparaître, elle donne d'autres choses un peu plus importantes. Pareil, au fur et à mesure, quand le dévot devient de plus en plus sérieux, de plus en plus engagé dans sadhana bhakti, Krishna commence à introduire les bhavas par les petits morceaux. Comme ça, il commence à nourrir avec ses bhavas. Et comme ça, l'intelligence d'un dévot devient l'intelligence d'un bhavuka bhakta. Un bhakta qui, en fait, a des sentiments. Ne pensez pas que ces sentiments, nous fabriquons nous-mêmes. Non. Ces sentiments viennent de Krishna. C'est son énergie et ces sentiments qu'il nous offre, hein, selon notre nature. Ce sont des bhavas qui correspondent à notre svabhava, de notre vraie nature. Et Krishna nous donne, hein, comme par exemple le désir chez un être vivant ne se manifeste jusqu'au moment où Ichcha Shakti ne le contacte pas. Dès que Ichcha Shakti contacte son mental ou ses sens, en fait, le désir ne se manifeste pas. Pareil, en fait, pour manifester les bhavas d'un dévot, Krishna introduit dans son intellect, il introduit les bhavas compatibles avec sa nature, et en fait, ça réveille les bhavas de sa nature, de la nature du dévot. Il réveille, en fait. Ok, Hare Krishna, on peut toujours parler. C'est un sujet intéressant. Si vous avez des questions, des commentaires. Vas-y. Attends, je vais passer. Ça concerne le dernier sujet qui a été abordé. C'est peut-être un peu bête, mais juste... ce concept que les bhavas se manifestent petit à petit, c'est comme Krishna, comme vous avez dit, les envoie au fur et à mesure. Ça me paraît tellement irréel, je ne sais pas, tellement loin, parce que chaque fois quand on lit la vie des grands dévots,
Moi, personnellement, j'ai l'impression que chaque fois, c'est les âmes qui sont déjà de base, qui ont déjà tous les bhavas et vraiment cet amour pour Krishna. Et en tout cas, j'ai pas vraiment d'exemple où vraiment c'était une personne ordinaire, on peut dire, qui a petit à petit, graduellement, soit c'est les dévots qui en étaient déjà de base très très dévoués, soit les cas extraordinaires et exceptionnels où c'était les pêcheurs, les pires des pires, où Krishna a donné d'un coup une grande portion de sa miséricorde et ils se sont transformés presque instantanément. On peut dire ça. Par exemple, avec Dhruva Maharaj, avec Jagai Madai, les Valmiki, etc. Donc, les livres sacrés, ils montrent deux types de dévots. Les dévots qui sont originellement sont Shakti Tattva, et qui n'ont jamais passé par la voie de sadhana, par la voie de sadhana bhakti. Et c'est normal, parce qu'ils sont les dévots de... Parce que ce sont des dévots de la catégorie comme Mère Yashoda, Nanda Maharaj, Srimati Radharani, Lalita Vishakha, Matumangala, etc. Ils sont tous dans les catégories de Shakti Tattva. Et la particularité de Shakti Tattva, c'est que leur identité est relevée toujours. Ça veut dire éternellement, leur identité est relevée. L'identité d'un bhakta qui obtient le statut de pur dévot à travers le sadhana bhakti, c'est que son identité n'est pas relevé immédiatement parce que il n'est pas dans la catégorie de Shakti Tattva. J'explique l'idée, en fait. C'est comme, par exemple, vous avez des rames, des branches sur un arbre. Okay. Et chaque branche a son tour donne des autres branches. Et chaque branche donne encore à son tour d'autres branches. Et ce processus va à l'infini. Donc il y a toujours expansion de l'expansion, expansion de l'expansion. Nous tous, nous sommes des expansions d'expansion, 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 d'expansion. Vous pourrez répéter ça, je ne sais pas combien de fois. Okay? Mais il y a d'autres personnes qui sont l'expansion de nous, et après eux, à leur tour, ils sont l'expansion. Et comme ça, c'est infini. Vous voyez ? Et en fait, au fur et à mesure les divertissements de Krishna évoluent, hein, et ça évolue éternellement, en fait, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, et qui commencent à participer au divertissement de Sri Krishna. En fait, par exemple, dans ce verre, dans le monde spirituel, vous pouvez avoir 3 milliards ou infiniment de quantités de jivas qui, en fait, partagent le corps d'un verre. Pourquoi ? Parce que leurs sentiments ont une certaine similitude. C'est pour ça qu'ils sont tous dans le même verre. Vous voyez, et infiniment, vous pouvez avoir. Mais celui qui arrive à travers son sadhana est décrit dans notre Siddhanta.
Notre Siddhanta ne dit pas qu'il y a des âmes qui peuvent atteindre le monde spirituel et devenir éternels serviteurs de Krishna. Et il y a une catégorie des âmes qui ne peuvent pas. C'est faux. C'est, des fois, il y a des croyants qui partagent ces idées, mais c'est une fausse idée. Je me souviens, il y avait un témoin de Jéhovah qui m'a dit ça. Il a dit qu'il y a certaines catégories qui peuvent bénéficier de la miséricorde du Seigneur. Il y a une autre catégorie qui ne peuvent pas bénéficier. C'est faux, parce que les Shastras et Krishna lui-même dans la Bhagavad Gita, il dit ça à n'importe qui. Hein? Et ce qui est important, c'est que Krishna utilise ce mot en sanskrit, celui qui m'offre, ou celui qui mange, ou celui qui dort, celui. Il ne précise pas, c'est homme, femme, shakti tattva, jiva tattva, un chien ou un chat, il dit, peu importe, celui qui. Par exemple, l'éléphant Gajendra ou l'éléphant Govinda Das. Il y a même des formes animalières qui ont pu bénéficier de la miséricorde de Krishna et aller dans le monde spirituel. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord du tout avec la correction dans la version russe de verset, quand on dit « si l'homme m'offre avec l'amour et dévotion, ok, et si ce n'est pas un homme, c'est un chien qui t'offre, ou si c'est un singe qui offre, ou un serpent qui offre, tu ne vas pas accepter ?» Bien sûr qu'il va. C'est pour ça que le verset originel dit « celui qui ». Et Krishna explique que chaque être vivant, peu importe quelle position il occupe aujourd'hui, il peut être qualifié de devenir un pur dévot. Et en fait, les acharyas expliquent que la première qualification qui nous permet de commencer sadhana bhakti, c'est shraddha, c'est la foi. Parce que les livres sacrés disent qu'en fait, le bhakti ne dépend même pas de la foi. Elle peut apparaître, mais quand même, pour commencer la pratique de sadhana bhakti, il faut un peu de foi. Même certaines acharyas, elles disent que des fois, on n'a même pas besoin de foi pour commencer un sadhana bhakti. Et on donne un exemple de Harinam Sankirtan, quand des dévots chantent d'une façon très extatique, ils chantent dans la rue, et les gens, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. C'est qui Krishna, qui est Rama. Ils commencent à chanter, répéter et danser. Même les chiens sursautent comme ça, ils font ça. Hein. Même les chiens qui participent, vous voyez, ils n'ont pas de foi. Vous voyez. Donc, moi, je suis tout à fait... j'accepte cette idée des acharyas qui disent que bhakti est tellement indépendant qu'elle ne dépend même pas de la foi. Mais quand même, la foi, c'est quelque chose qui nous fait avancer dans la conscience Krishna. Et ça, c'est la seule qualification. Et personne entre nous ne doit pas penser que oui, moi, je suis peut-être tous les autres êtres vivants, même cette plante va devenir un pur dévot, mais en aucun cas, moi, parce que moi, je suis nul, je suis un sale pécheur, un éternel pécheur, etc. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ça contredit un autre siddhanta. Sauf que nous devons continuer. Nous devons continuer à faire notre devoir. Nous devons continuer à insister dans notre sadhana bhakti. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera la vie suivante. Si ce n'est pas dans la vie suivante, un jour, ça va venir. Un jour ça va venir et nous ne devons pas penser que ça concerne tout le monde sauf moi. Il y a
comme des hommes extraordinaires comme Rua Pratapa Rudra, qui a dit à Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya est venu pour sauver tout le monde, sauf Rua Pratapa Rudra. Sarvabhauma Bhattacharya a dit non. Il a dit c'est contre Siddhanta. Il a dit. Donc, c'est normal. C'est normal. mieux penser comme ça que penser que je suis un Shakti Tattva. Parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient convaincues qu'ils sont des Shakti Tattva. Ça existe aussi. Ça existe. Oui, mais en fait, nous devons comprendre qu'en fait, tout le monde est imparfait. Nous sommes tous imparfaits. Aujourd'hui, nous pensons... Parce que des fois, on rencontre un pur dévot extraordinaire. Wow, on est émerveillé, etc. Mais si on montre sa vie précédente, peut-être il était quelqu'un de très égoïste, dégoûtant, etc. C'est tout à fait possible. Mais ça, on n'a pas vu. On a vu la version déjà prête, tout prête. Comme les bâtiments. Quand on construit, c'est moche, il y a partout des trucs, des gaines électriques qui passent, etc. Mais quand tout est couvert, c'est très beau, très joli. Pareil. C'est pour ça que Uttama Adhikari, le meilleur, le dévot de meilleure qualification, il voit tout le monde dans le futur. Il dit oui, peut-être elle n'est pas bien maintenant, etc. Mais bien sûr, Krishna a tout préparé pour elle. Et bientôt, elle va devenir. Elle a commencé déjà. Bientôt, ça va se faire. Mais nous, par le Rajas, on veut tout de suite, maintenant et ici. Pourquoi il n'est pas un pur dévot? Parce qu'il faut le temps. Il faut que le fruit mûrisse. Non, non, non. Il m'a dit ça. Lui, il m'a dit ça. Il a fait ça, etc. Bien sûr que tout le monde peut faire des bêtises, même des choses vraiment insupportables. Et on peut aussi faire des offenses, etc. Mais nous devons comprendre que cela ne nous enlève pas notre capacité d'être Satchitananda. Même les personnes les plus haïes par vous, sachez qu'ils sont aussi Satchitananda. Merci beaucoup. En fait, c'est un peu plus facile à imaginer, comme vous avez dit, en voyant les dévots autour de nous, parce qu'on sait que oui, chacun avait sa vie avant, quelqu'un prenait des drogues, quelqu'un, etc. Par exemple, de dévots aînés. Je ne sais pas, peut-être que j'ai une mauvaise mémoire, mais dans les Shastras en particulier, est-ce qu'il y a un personnage qui incarne ce principe où quelqu'un n'avait rien à voir et sans recevoir une miséricorde spéciale de contact direct avec Krishna, mais juste en faisant très rigoureusement Sadhana Bhakti, il a avancé jusqu'à... Tu sais, c'est difficile à dire, c'est difficile à dire parce que on peut te donner des exemples comme ça, mais tu peux faire un contre-argument en disant peut-être c'est un pur dévot qui est venu ici pour jouer un rôle d'un sadhana bhakta. C'est pour ça que Krishna a dit que seule personne qui connaît le passé, présent et le futur, c'est moi. Donc, peut-être Bharat, c'est un pur dévot qui est venu nous sauver. On ne sait pas. Donc, c'est difficile à dire parce que... même à l'époque, on discutait beaucoup sur les personnages comme par exemple Adolf Hitler. On ne sait pas. Krishna ne nous a pas relevé son identité, nous ne savons pas. Peut-être c'est un pur dévot comme Hiranyakashipu est venu. Peut-être.
Mais nous ne pouvons pas dire sûrement que c'est comme ça. Mais... pas forcément. Il peut envoyer aussi quelqu'un. Il peut envoyer, par exemple, son Sudarshana Chakra. Il peut envoyer un microbe pour tuer. Tout est possible. Tout est possible. Il y a toutes les versions, toutes les variantes, etc. Mais... je me demandais, est-ce qu'il y a une différence, enfin, je pense qu'il y a une différence entre miséricorde et compassion. Oui, je me demandais, parce que plus souvent on entend que Krishna est miséricordieux. Là, c'était Krishna à la compassion. Donc c'est... En fait, miséricorde et compassion, ce n'est pas la même chose. Miséricorde, en fait, c'est quelque chose qui est donné à un être vivant pour que l'être vivant soit plus proche à Krishna. Même dans le monde matériel, les matérialistes, ils reçoivent la miséricorde de Krishna. Et en fait, tout ce qu'ils reçoivent, c'est pour qu'ils puissent être plus proches à Krishna. Mais ils n'utilisent pas ça pour ça. Ils l'utilisent pour autre chose. Tandis que la compassion, c'est le sentiment que nous vivons ou revivons avec la personne. C'est, par exemple, tu passes dans la rue. Et tu vois une femme avec un enfant sur trottoir qui n'a rien à manger, elle a des problèmes de santé, etc. Tu peux avoir des sentiments de compassion, mais aussi tu peux avoir des sentiments de pitié. Okay? Par exemple, si tu as les sentiments de pitié, tu peux me dire « Oh, la pauvre femme, etc. » Tu te donnes 5 euros et tu passes. Et en fait... tu ne revis pas son état. Tu ne rentres pas complètement dans... Tu ne revis pas, en fait, c'est le meilleur mot. Tu ne revis pas ses problèmes, tu ne revis pas. Juste, tu regardes de la position de ton château et tu dis... Oui, c'est dommage, etc. Mais, par exemple, tu ne vas pas te mettre à côté d'elle sur le trottoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le sentiment de compassion. C'est juste un sentiment de pitié. Le sentiment de compassion, c'est plus fort. Et la miséricorde que tu vas donner à cette femme... par le sentiment de pitié, par le sentiment de compassion, c'est pas le même. Par le sentiment de pitié, tu vas donner 5 euros ou je sais pas, 1 euro et partir. Mais dans le sentiment de compassion, tu vas rester à côté d'elle et tu vas demander l'aumône. Tu vas partager en fait sa situation. C'est ça la compassion. C'est différent. Et ce n'est pas la même miséricorde. La miséricorde, c'est vraiment quelque chose qu'on donne. Par exemple, Krishna dit que en fait, le bhakti, c'est la miséricorde, la plus grande miséricorde. Mais il dit que je donne à mon pur dévot, je donne le bhakti, et il a le droit de donner à tout le monde sans me demander la permission. Et il peut donner le bhakti même à ceux qui ne méritent pas. Il peut donner à ceux qui méritent, à ceux qui ne méritent pas. C'est à tel point, un dévot de Krishna a cette autorisation de Krishna. Donc, et la plus grande miséricorde qu'on peut donner et qu'on peut recevoir, c'est le bhakti. On ne peut pas avoir une miséricorde plus que bhakti.
Mais du coup, quelque chose qu'on donne, charité par pitié, c'est pas vraiment la miséricorde. Parce que la charité peut être miséricorde, mais en fait, la charité, c'est pas vraiment une miséricorde de Krishna. Comment je t'expliquerai? Parce qu'en fait, quand Krishna donne sa miséricorde, il donne pour notre avancement spirituel. Mais quand on se réserve à donner notre miséricorde, quand on pense que c'est nous qui sommes miséricordieux et nous donnons quelque chose à quelqu'un, en fait, nous ne connaissons pas le passé, le présent et le futur, et ça peut nuire à cette personne. C'est pour ça que les dévots, ils préfèrent donner seulement bhakti et rien d'autre. Prasad, bhakti, en fait, c'est la même chose. Il ne veut, parce que des fois, on tombe dans le piège quand il y a une femme qui pleure. Oh, oh, oh. Et on dit, qu'est-ce que... Oui, il me manque 300 euros. Ah, tiens, tiens. Qu'est-ce que... Oh, je dois partir. Oh, oui, bien sûr. Mais ne comprenons pas. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Peut-être Krishna lui a enlevé son argent pour qu'elle comprenne quelque chose. Mais nous, à la place de laisser pour que cette femme comprenne quelque chose, on gâche ce processus d'enseignement et d'éducation que Krishna lui offre. C'est difficile. Pour cela, en fait, un dévot toujours essaye de mettre tout dans le contexte de dévotion. Ce que vous donnez comme nourriture, vêtements, peu importe, vous devez faire ça dans le contexte de la conscience Krishna, dans le contexte de la dévotion. Achille Prabhupada, par exemple, quand on disait à Achille Prabhupada, est-ce que vous voulez bien nourrir, je ne sais pas, il y a des enfants d'Afrique, etc. Est-ce que vous êtes d'accord à aller les nourrir? Achille Prabhupada disait non. Il disait, mais ils vont mourir de faim. Il dit, oui, mais si vous nous permettez qu'on aille là-bas et qu'on fasse des programmes pour eux, et après le programme, on les nourrisse, pas de problème. Tu comprends? Ça veut dire, même ça, il mettait dans le contexte de dévotion. Il disait, c'est pas notre rôle. Des fois, on nous dit, vous êtes des dévots de Seigneur, et pourquoi vous aidez pas les pauvres dans la rue? Pourquoi vous... C'est un truc qu'on tombe, c'est une tentation qu'on nous propose. Parce que nous devons comprendre qu'en fait, tout ce que nous faisons, est-ce que ça a un effet sur son âme? Notre devoir, c'est aider à une âme et pas un corps. Faire bien à une âme et pas un corps. Sauver une âme, mais pas le corps. Par exemple, tu vas aller dans la rue avec des drogués, qu'est-ce que tu vas leur donner? Tu vas donner du prasad, n'est-ce pas? C'est tout ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire plus? Mais des fois, même ça que tu ne peux pas faire. On a eu cette expérience, on donne du prasad, ils ne mangent pas. Parce que ce goût ne leur plaît pas. Surtout le halva, il dégoûte. Combien de fois on disait peut-être cette personne, c'est juste cette personne qui n'aime pas le halva et les autres peut-être ils aiment. On a remarqué surtout le halva, ils font comme ça. Donc même ça, tu ne peux pas. Et par contre, le temps que tu vas mettre là-bas, tu peux mettre sur une autre personne qui est vraiment sur le seuil de devenir un drogué. Mieux sauver ce qu'on peut sauver que ce qu'on ne peut pas sauver. Quelle est la différence? Tu sauves un milliardaire ou tu sauves un clochard? Quelle est la différence? Je ne sais pas pourquoi, dans notre tête, on a mis que, en fait, ce clochard, il a besoin de plus que le milliardaire. Qui a dit? Ils sont tous dans la même situation. Peu importe qui on a sauvé. Des fois même, je vois que les brahmacharis aiment bien prêcher à jolies femmes qu'aux vieilles mamies. Oui. Peu importe, jeunes, âgés, ils sont tous des divas.
Mais on pense que, oui, mais cette personne, parce qu'elle est plus belle, elle est belle, on a besoin plus de prédication que les filles moches. Non, mais je rigole. Je rigole. En général, les hommes. Homme, femme, chien, chat, peu importe. Ce que nous devons apporter, c'est aider la personne à trouver Krishna. Ok, Hare Krishna, cher Deva. Je voulais dire, quand même, il explique bien ce qu'il veut dire. Ok. Juste, ah, c'était par rapport à sa question. Oui, vas-y. La miséricorde, c'est une générosité entraînant l'indulgence pour un autrui malheureux, souffrant. Et charité est un principe moral qui nous pousse à vouloir le bien d'autrui de manière désintéressée. Quand oui. même, c'est... Bon, c'est pas complet, mais c'est assez... Mais la, en fait, la miséricorde, c'est pas seulement quand quelqu'un est dans une situation, comme tu as dit, c'est pas... Les Vaishnavs, ils ne voient pas ça comme ça, parce que la miséricorde peut tomber sur, la, sur quelqu'un qui n'a pas besoin ni de santé ni de l'argent, il est très heureux, en bonne santé, etc. Il a tout ce qu'il faut pour vivre, mais il a besoin de la miséricorde de Krishna. Oui, pour quelque chose, miséricorde donne quelque chose. Oui, mais c'est oui, chose. Mais c'est non, là, non, non, là. Tu peux avoir tout. Non, il même dans le monde spirituel, même dans le monde spirituel. Ils ont besoin toujours de la miséricorde de Krishna. Oui, toujours on a besoin de quelque chose. Donc c'est Krishna qui. Et si on n'a pas cette chose, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas complet. Non, mais parce que là, c'est que pas quand la personne est malheureuse, etc. Non, on peut être heureux, mais on veut avoir de la miséricorde. C'est pour ça que les Shastras expliquent que la miséricorde de Krishna tombe partout, même là où on n'en a pas besoin. Par exemple, quand la pluie tombe sur un champ desséché, on dit bah oui, là c'est vraiment bien. Mais la même pluie tombe aussi dans l'océan, qui a beaucoup de l'eau. Mais lui aussi, il a besoin de cette miséricorde. Tout le monde est malheureux. Ah, ça oui, dépend. À peu près. C'est ça. Tandis que l'autre, c'est moral quand même. Pris, Haribol. Haribol. Hare Krishna. Oui, Hare Krishna. Bah oui, j'avais levé la main, mais comme vous avez fini la conférence, je l'ai baissée. Oui. Excusez-moi, je voulais savoir, quand on parle de la compassion, quand on parle, c'est la volonté de Krishna, ce qu'il arrive aux êtres. Et par exemple, je vais dire quelque chose d'assez bête, mais c'est quand même une bonne question que je me suis posée. Par exemple, quand je me promène dehors, je ramasse les vers de terre qu'ils sont au milieu du trottoir pour les remettre dans l'herbe, pour les protéger, pour pas quelqu'un marche dessus, quelque chose. Et de même manière que pour n'importe quel autre être vivant qui vit des choses ici, sur cette terre, c'est la volonté de Krishna, qui me dit que je prends la bonne décision. Peut-être ce ver de terre, il voulait être là, il ne voulait pas que je le remette dans l'herbe. Il avait fait le chemin pendant des heures pour arriver au milieu du trottoir. Et peut-être dans sa tête, il est en colère après de dire « Pourquoi m'a remis là? Je voulais aller là. » Et en fait, je me suis déjà posé cette question. Comment on essaie de protéger des choses, de sauver des personnes, des animaux, mais comme c'est Krishna qui donne, il y a le karma, la volonté de Krishna, comme nous on intervient, comment on fait pour savoir si on doit intervenir vis-à-vis d'un être ou pas? C'est difficile, en fait, ça. Sur cette question, Krishna donne une réponse dans le 18e chapitre de la Bhagavad Gita. Il dit « Laisse toute forme de toute forme de religion et tu t'abandonnes à moi. Les conséquences de tes actes pécheurs, je vais m'en occuper. »
Hein? Il ne dit pas à Arjuna que si tu t'abandonnes à moi, en fait, tu n'auras plus des actes pécheurs. Parce que l'homme est imparfait. Hein? Par sa nature, nous ne sommes pas parfaits. Hein? Mais Krishna nous met dans une situation dans laquelle même, entre guillemets, nos bêtises deviennent quelque chose de parfait. Donc, pour cela, nous devons toujours penser que ce que nous faisons, peut-être ce n'est pas correct, peut-être c'est correct, je ne sais pas. Je fais tant que mon cœur me guide. Parce que dire que voilà, le premier ver de terre, il voulait aller retourner dans la terre, et deuxième, il voulait se suicider, et troisième était juste là pour bronzer 5 minutes après retourner dans la terre. On ne sait pas, mais Krishna sait. Pour cela, nous devons quand même plus se concentrer sur notre devoir. Hein. Sur notre devoir, ça veut dire faire notre sadhana bhakti, chanter nos tours, prêcher aux gens, etc. Sinon, après des vers de terre, ça serait les fourmis. On va dire, bon, je vais cuisiner pour les fourmis du couscous et je vais mettre devant leur fourmilière. Et puis aussi, j'ai vu au fond de la rue, là, il y a une autre fourmilière. Et puis avant-hier, j'ai vu 3 fourmilières aussi près de la gare. Il faut, donc, si je calcule, il me faut 6 kilos de couscous. Okay, donc, et en fait, tu commences à oublier Krishna parce que tu te concentres sur les vers de terre, des microbes et des fourmis, etc. etc. Et au final, tu te rends compte que la journée est passée, tu n'as pas chanté tes tours. Qu'est-ce que tu as fait? Tu nourrissais les fourmis, etc. Donc je peux comprendre, ok, on a vu un ver de terre, on ne sait pas, bon, on a dit, excuse-moi, je vais te mettre sur la terre, après tu te débrouilles, et c'est tout. Mais on ne peut pas consacrer notre vie aux fourmis, aux microbes, etc. Si tu vas dans cette direction, après tu vas penser aux hélicobactéries qui se trouvent dans ton estomac, tu te dis, en fait, est-ce qu'ils sont contents ou ils ne sont pas contents? Est-ce qu'ils ont aimé le sable d'hier ou ils n'ont pas aimé? Donc ça, tu comprends, Pris? Donc, il faut vraiment... C'est pour ça qu'existe Sadhana Bhakti. Et en fait, retourner les vers de terre dans la terre n'est pas dans la Sadhana Bhakti. Mais quand on fait bien... notre sadhana bhakti, Krishna va nous pousser de l'intérieur. Il va dire, celui-là qui est à gauche, tu le mets dans la terre, et celui-là qui est à droite, laisse bronzer. Oui, c'est vrai, on le sent dans le cœur quand il faut faire quelque chose. En fait, Krishna va te guider, ne t'inquiète pas, mais il ne faut pas donner à ça une grande importance, que ça commence à perturber ton bhakti. Hein, par exemple, là, nous sommes en train de creuser les tranchées pour amener l'eau pour Krishna et les dévots. Et chaque jour, on traverse avec nos bêches des corps des dizaines de vers de terre. Oui. Et bien, on dit avec Krishna, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas prendre une cuillère et les chercher, aller les disposer dans un autre endroit. On travaille, on creuse et puis il y a des bêtes qui meurent. C'est vrai. Oui, je comprends. Et juste une toute petite question par rapport à la compassion. Comme vous parlez pendant la conférence, moi qui ai milité avant pour les animaux dans les abattoirs, tout ça, bon, depuis la conscience de Krishna, j'ai arrêté. Mais quand même, des fois, je regarde des vidéos comme ça et j'ai mal vraiment. Je pleure, j'ai envie de jeter le téléphone quand je vois les animaux qui sont égorgés, qui crient, qui pleurent, surtout c'est des bébés, beaucoup. Et c'est la compassion ou c'est la pitié? Parce que je ressens comme l'animal, j'ai envie de casser le téléphone vraiment quand je vois ça. En fait, vous avez dit que la compassion est très rare. Sache qu'en fait,
quand il y a le sentiment de compassion pour certains êtres vivants, pour les vaches, donc il faut que tu aies la même compassion pour les crocodiles, pour les, je ne sais pas, pour les poulets, etc. Donc si c'est que pour les vaches, en fait, ta compassion n'est pas très, très authentique. Quelle est la différence entre une vache et, par exemple, une zèbre? Est-ce qu'une zèbre est mauvaise? Ou, je ne sais pas, un girafe? Une girafe aussi, elle est pas mauvaise, même si elle a un cou trop long. Mais en fait, nous, si on a un vrai sentiment de compassion, on doit diffuser la conscience de Krishna. Parce qu'en fait, ces vaches qui souffrent dans les abattoirs, c'était ceux qui ont mangé la viande dans leur vie précédente, qui faisaient des péchés, et maintenant ils sont en train de payer pour ça. Et la vraie compassion doit te pousser à prêcher vraiment pour que les gens deviennent conscients de Krishna. Et en devenant conscients de Krishna, il y aura moins en moins les vaches qui vont souffrir dans le futur. Tu veux un effet immédiat, mais tu dois aussi voir dans le temps. Un vrai sage, il doit voir dans le temps. Et par exemple, tu sais qu'aujourd'hui, si 5 personnes avec ta prédication, grâce à ta prédication de Harinam ou de la distribution des livres, 5 personnes sont venues dans la conscience de Krishna, dans 100 ans ou dans 50 ans, il y aura 5 vaches de moins dans les abattoirs. Mmh. Mieux faire de telle sorte pour que les vaches n'apparaissent pas dans l'abattoir que faire sortir ceux qui sont déjà là-bas. Parce que le temps que tu vas mettre pour sortir ces vaches de l'abattoir, en fait, les autres gens qui vont continuer à pêcher vont remplacer leur place. C'est pour ça que le meilleur, faire ce qu'il y a actuellement et maintenant. Ça veut dire prêcher pour que les gens aiment Krishna, pour que les gens soient attirés par Krishna et pour qu'ils puissent changer leur vie. Ça sera plus efficace et oui. plus de valeur que perdre son temps avec ça. Déjà, le fait que nous ne mangeons pas la viande, ça fait un énorme bien. Par exemple, ça fait 35 ans que je ne mange pas de la viande, ça veut dire que j'ai sauvé la vie d'une vingtaine, de trentaine, je sais pas, cinquantaine de vaches que je pouvais manger pendant ce temps-là. Donc, il y a telle quantité de moins de vaches qui sont mortes. On ne va pas tuer comme ça. S'il n'y a pas de demande, on ne les tue pas. Donc, j'ai diminué cette demande. Donc, on a déjà fait quelque chose d'important dans cette direction. Mais sachez que la meilleure chose, c'est que nous devons continuer à prêcher la conscience Krishna avec nos paroles, avec notre façon d'être, avec notre façon de manger, parler, penser, etc. Donner l'exemple, oui. Ok, Hare Krishna, cher Devo. On doit suivre notre sadhana bhakti pour arriver à Bhava Bhakti et ensuite Krishna va nous offrir Prema Bhakti. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.